Ce film d'actualité, qu'ils disent, c'est du faux, c'est du toc. Et vous allez vous-même le constater. Il a suffi d'immobiliser certaines scènes à certains instants pour que le maquillage apparaisse aux yeux les moins avertis. Comme elles sont curieuses, ces explosions qui semblent naître de la Terre et ne laissent pas un trou. Après tout, rien d'étonnant, ce sont des pétards enterrés. Mensonge! Scène d'été. Comme ils sont impressionnants, ces chars français. Des chars français, mensonge, ce sont des chars allemands. Comme elles sont spectaculaires, ces explosions qui n'abattent pas un arbre, et ces fumées. Et comme elle est vraie, cette scène de guerre. Mais pourquoi, grand Dieu, pourquoi si mal dissimuler ces peaux fumigènes qui émettent des fumées si décoratives et qui achèvent de brûler? Regardez au fond, comme des feux de Bengale. Mensonge! Deux traîtres ont été condamnés à mort pour avoir prêté aux Allemands une aide ignoble. Lafont et Bonny, que vous voyez en uniforme allemand, étaient à la tête d'une bande de civils à la solde de la Gestapo. Ces civils étaient chargés de manifester contre les prisonniers britanniques et américains. Ces films étaient montrés pendant l'occupation pour donner l'impression que le peuple français était hostile aux alliés. Les hommes et les femmes qui tournaient dans ces films se montraient d'excellents acteurs et donnaient l'impression de la réalité. Il est probable que chacun d'eux sera châtié. Cette histoire est véridique. Trois jeunes soldats français, sachant parler arabe, se sont fait passer pour des agents de liaison Fellaga. S'étant présentés à un musulman suspect, ils ont pu obtenir quelques noms de terroristes. Faux accessoires, faux témoins, faux reportages, tous les moyens sont bons pour fabriquer de la propagande et leur recensement serait interminable. Allons pourtant examiner quelques-unes des techniques de manipulation des images et des sons mises au point au fil du temps par des cinéastes illustres ou anonymes. Par exemple, ces actualités françaises du 26 août 1955, où nous avons coché quelques images qui vont resservir. Aucun des événements qui se sont produits jusqu'ici au Maroc n'avait atteint la violence et l'horreur de ceux dont Wetzem fut le théâtre dans la matinée du 20 août. Dans l'après-midi, quand les troupes pénétrèrent dans la cité, dont les bandes fanatisées s'étaient rendues maîtresses pendant plusieurs heures, quel spectacle alors dans les rues d'Wetzem. La main des émeutiers avait été animée par une incroyable rage de destruction et de carnage, massacrant aveuglément Français et Marocains. Bien des heures après, les survivants avaient encore dans les yeux la vision du drame. L'hôpital d'Ouetzem n'avait même pas été épargné.
L'horreur du massacre se lit encore sur les marches, dans les chambres des malades, sur la table d'opération où un enfant fut égorgé en même temps que le chirurgien qui venait de l'opérer. Aucune cause ne peut excuser de pareilles atrocités. Dans la liste des cités martyrs et dans nos mémoires, Wetzem s'inscrit tragiquement. Au cercueil d'Wetzem, les cercueils de Philippe Bill font un triste écho. Un an plus tard, en 1956, ce n'est plus le Maroc, mais l'Algérie. 7 plans pour faire peur, ou l'art d'utiliser les restes. Ce douloureux spectacle des fermes incendiées, des troupeaux égorgés, des cadavres qui unissent dans la mort les populations européennes et musulmanes, victimes des attentats de hors-la-loi, posent en lettres de deuil le problème algérien. L'Algérie vit aujourd'hui dans un climat d'insécurité qui chaque soir vide les rues des villages et réunit dans l'angoisse d'une attaque les habitants des campagnes. Chaque soir, chacun assure ses portes et ses volets. Le village cherche un mauvais repos dans une sorte de veille armée. Un, deux, trois. Tous les moyens sont bons quand on a besoin d'images fortes. Cinq, six et sept. Mais il y a d'autres façons de se tirer d'affaire quand les images manquent. Réutiliser les films existants, par exemple. Voici comment quelques plans grappillés au raisin de la colère de John Ford servirent aux nazis pour fustiger la politique de Roosevelt. Ja, diese jüdischen Hintermänner zu tarnen, schwatzt ihr politischer Handlanger Franklin D. Roosevelt von der Freiheit, Demokratie und Religion. Das Volk in Amerika von seinem eigenen Elend abzulenken, hetzt dieser Mann gegen den Nationalsozialismus in Deutschland. Dabei täten der Präsident und seine Hintermänner besser daran, sich Tag um Tag mit den jeder Beschreibung hohnsprechenden sozialen Zuständen in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen. So geht es den kleinen Arbeitern und Bauern in diesem freien Lande. Im nationalsozialistischen Deutschland sind derartige Verhältnisse undenkbar. Deswegen ist das Ziel der jüdischen Kapitalisten und ihres Roosevelt die Vernichtung Deutschlands. Même méthode encore aujourd'hui, où des images filmées par et pour les soviétiques servent aux Américains pour illustrer leurs appréhensions. Avec seulement la moitié du produit national brut des États-Unis, l'URSS dépense plus que les États-Unis pour sa défense depuis de nombreuses années, trois fois plus par rapport à ses revenus, ce qui fait au total 50% de plus que les États-Unis. Une croissance aussi rapide des dépenses d'armement est sans précédent depuis qu'Hitler a réarmé l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Les manœuvres militaires que vous voyez montrent le type de guerre que peuvent faire les forces du pacte de Varsovie à l'Europe occidentale. Le pacte de Varsovie est le plus grand ensemble de forces militaires du monde, qui l'emporte à 2-1 sur l'OTAN en nombre de véhicules de combat. À la différence des nôtres, leurs chars de combat sont équipés de défense contre les armes bactériologiques et chimiques et contre les radiations nucléaires. Ainsi donc, les mots peuvent faire dire tout ce qu'on veut aux images. Et dans sa lettre de Sibérie, Chris Marker en donne la démonstration définitive, rendue encore plus efficace grâce à l'emploi de musiques appropriées. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elles feraient plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie,
est une ville moderne, où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes usines triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sang, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs zim, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiat, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Okay. 1945. Des cinéastes anglais interviewent un Allemand qui sort de voir un film sur les camps d'extermination. Voici les rushs, c'est-à-dire à l'état brut, l'intégralité de ce tournage. Are you are the burgomaster of Minden appointed by the British Ministry of Government? Yes, sir. You have just seen the atrocity film. I have seen it. Were you aware that such horrors were going on under the so-called Hitler New Order? I have not known the atrocities, but I have suspected that. You have. Mm-hmm. Do you think the German people of Minden are, in fact, aware of their responsibility in these horrors? I hope that they have begun to inspect it. Yes, to understand. To understand it. Yes. What possible justification can Germany use to excuse the slow starvation and torture that took place in the concentration camps? There is not justification, sir. There's only perhaps an excuse. And this excuse is the power of the Nazis. You perhaps cannot imagine it or understand it because you had never lived under Nazis and don't know their power. Mm-hmm. Is that enough? That's the end of it, anyway. Reprise de l'interview en gros plan. You are the burgomaster of Minden, appointed by the British military government. Yes, sir. You have just seen the atrocity film. I have seen it. There is no justification, sir. There is only perhaps an excuse. And that excuse is the power of the Nazis. You can perhaps not imagine or understand it because you have never lived under the Nazis. Okay. Reprise des questions en gros plan. Un assistant résume les réponses. You are the burgomaster. You are the burgomaster. Camera running, somebody. You are the burgomaster of Minden. Appointed by the British military government. Yes, sir, I am. You have just seen the atrocity film. I have. Were you aware that such horrors took place under the so-called Hitler New Order? I did not know, but I suspected. Do you think that the German people of this town are in fact aware that they are partly responsible for these horrors? Well, I forget what you said then, but what possible justification can Germany excuse the slow torture and starvation that destroyed so many thousands in these concentration camps? What possible justification has Germany to excuse the slow torture and starvation that took place in these concentration camps? Au fond, le simple fait de filmer n'ouvre-t-il pas la porte à toutes les manipulations? Enthousiasme, c'est le premier film sonore de Dziga Vertov en 1930. Et aujourd'hui encore, les soviétiques voient dans ce pamphlet anticlérical un florilège de procédés devenus classiques dans la propagande filmée, que ce soit pour exalter ou pour dénigrer.
montage rythmique. Déformation sonore. Cadrage décalé. Dérision musicale. Morcellement de l'image. Теперь уже никто не скажет, что они лишены здесь идейного содержания. Crescendo, image, son. Pression, inversion du mouvement, contre-plongée sur fond de ciel, dans la foi des lendemains qui chantent. On retrouvera d'analogues figures de style dans l'immédiat après-guerre, avec ce film français qui détourne au passage des images qui firent la gloire du nazisme. Gagner la paix, c'est votre tâche en Allemagne. Par votre attitude vigilante sur le sol allemand, vous pouvez jeter les bases d'une paix durable. Vous pouvez, au contraire, si vous relâchez votre surveillance, laisser se développer les germes d'une future guerre. Et de même que des soldats, vos pères, ont dû se battre il y a 26 ans, de même d'autres soldats, vos fils peut-être, pourraient avoir à se battre dans quelques 20 années d'ici. L'Allemagne occupée vous paraît inoffensive. Hitler, disparu. Les Croix Gammées, effacées. Les camps de concentration, vides. Vous verrez des ruines, vous verrez des fleurs, vous verrez des paysages ravissants. Que cela ne vous trompe pas. Vous êtes en pays ennemi. Restez sur vos gardes. Ne vous fiez à personne. Ne prenez pas de risques. Ne serrez pas cette main. Elle n'est pas celle d'un ami. Méfiez-vous particulièrement de cette génération. C'est la plus dangereuse. La jeunesse allemande. C'était des enfants lorsque les nazis ont pris le pouvoir. Ils ne connaissent d'autre système que celui qui a empoisonné leur esprit. C'est le parti qui les a bercés, les a entraînés à la duplicité, leur a appris à exploiter le faible. Ils n'ont jamais entendu de paroles libres, jamais lu de presse libre. Ils ont été élevés par la propagande. Ce sont les produits de l'éducation la plus criminelle que l'histoire ait jamais connue. Mais il y a des millions d'Allemands. Certains d'entre eux doivent être de braves gens. Peut-être. Mais lesquels ? Mais le ridicule peut être aussi une arme de guerre. Témoin ce Yellow Caesar de Cavalcanti, 1941. Our Italian aeroplanes, they will darken, darken the skies. Bah, bah. Shh. Italian aeroplanes will darken the skies. They will make the skies all flat. Now listen. The Mediterranean. Silence. The Mediterranean Sea. It is Italia's. Italia's own sea. Mais faut-il rire ou pleurer devant cette école des dactylos, étrange avatar du pouvoir de la marche militaire, où la propagande du Troisième Reich semble s'inspirer des mises en scène de Busby Berkeley. Thank you.
Et c'est encore le rythme, catalyseur des haines et des phobies, que Frank Capra exploite quand il refait un montage de documents japonais pour un film de 1945, Connaître l'ennemi. Et un demi-siècle plus tard, les marches et les défilés portent toujours des messages. Voici le ralenti après l'accéléré, voici le pacifisme après l'appel aux armes, voici le final du Jardin des Enfants du soviétique Evtushenko, 1985. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Мы будем молча говорить. Глаза в глаза, чтоб сохранить больной от вопли шар земной. Пусть он зашелестит травой, и ветер закружит листвой над раненой моей землей. Мы будем молча говорить о том, как детство не убить. Наши дети играют на скрипках. И может быть, ту же самую мелодию. Mais au cinéma, une technique peut toujours exprimer une idée ou son contraire. Ici, par exemple, le russe Medvekine se sert du ralenti à des fins de sarcasme anti-maoïste. Основоположник маоизма все еще не отверг учение Ленина. Обманывая китайский народ, он старательно прикрывает им антиленинскую сущность своей военно-бюрократической диктатуры. Любыми средствами пытается он расчленить и разгромить лагерь стран социализма, ведущих упорную битву с империализмом. En revanche, le Cubain Santiago Alvarez, en 1968, en ralentissant les images des obsèques d'Ho Chi Minh, extrait du procédé toute sa charge émotionnelle.
que la division du camp socialiste n'assombrisse pas l'avenir. Pour illustrer ce slogan, Alvarez, dans ce même film, s'attaque à la matière même de la pellicule, cherchant à reculer les limites de l'expressionnisme cinématographique. À l'extrême opposé de ce style, le laconisme visuel de Tony Schwartz va, avec tout autant de puissance, exprimer la révolte. In Somalia last year, 95% of the children couldn't go to school because they had no teachers. The Quechua Indians of South America live on potatoes. That's all, just potatoes. In parts of Asia, people dance in the street to cure smallpox. Half the children in the Middle East die before their sixth birthday. It may be a great, wide, wonderful world you live in, but the world you don't live in is filled with poverty and ignorance and disease. Please write the Peace Corps. We'll tell you what you can do about it. Un petit Mickey qui ne sort pas de chez Walt Disney, histoire de nous rappeler que le dessin animé peut depuis toujours tout montrer et tout dire. Un exemple parmi tant d'autres de l'animation prise au sérieux et ici mise au service de l'antiracisme par les plus hautes instances du gouvernement des États-Unis en 1943. Against country. Look out for that country behind you. Look out for the Poles. Look out for the French. Don't trust the English. Beware the Russians. A weapon of war. Play religion against religion. Turn Protestant against Catholic and both against Jew. A weapon of war. Play race against race. Aryan. Aryan, 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 this Aryan, race, that race, this race, that race, this race, that race, this race, and that... fear and suspicion, prejudice and hatred had done their work in Europe. Split up for Nazi conquest. And as the great blonde Superman rode victoriously through Europe,
his great blonde Aryan friend from Rome, and his great super blue-eyed Nordic Aryan friend from Japan, joined him in great blonde super thoughts of conquest to come. Here was the stuff. First, dress up the product for the American market. And then... Step right up, ladies and gentlemen, and get your bottle here. The one and only Dr. Hitler's blood tonic. Every drop is guaranteed. Is your system sluggish? Try the world's most famous purge. Take home a bottle. Are you high, strung, and irritable? Do you lie awake nights and worry about Armenians, Peruvians, Scandinavians, and Greeks? Try a bottle and you'll lick any foreigner in town. You know those Poles who live on Cedar Street, the Irish down on Hickory Street, the Swedes who live on Chestnut Street, the Negroes out on Maple Street, that Mexican family on Mulberry Street. Take a bottle. You'll be amazed what you can do. Friends, don't forget that you and you and you are much better people than you and you and you. Do others take advantage of your easygoing nature? Are you chronically annoyed by Catholics, Baptists, Methodists, or perhaps Episcopalians? Are Jews or Presbyterians a constant irritation? Friends, this bottle is the answer to all your aches and troubles. Step right up. It's the buy of your lifetime. Did I say buy? Friends, it's a gift. Step right up, folks. Get them while they last. Well, folks, how about it? Come on, folks. What do you say? What do you say? What do you say? Connaissez-vous cette parabole? Il était une fois deux voisins, et l'un d'eux s'est acheté un fusil. Tiens, tiens, se dit l'autre, si je m'en achetais un plus grand. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier, s'inquiète le premier. Ah ah, et si je m'achetais... 40 ans après l'arme de guerre, les soviétiques dénoncent la course aux armements avec un dessin animé d'une facture tout aussi classique et quasi américaine. C'est Équilibre de la peur, 1985, dont le commentaire français a été réalisé sur place. Voilà où conduit l'équilibre de la peur, ce terme inventé par le Pentagone. La course effrénée aux armements. De notre temps, la question sacramentelle, être ou ne pas être, se pose impérieusement, et cela à une échelle globale. En 1984, des animateurs danois réalisent au Nicaragua cette superbe métaphore anti-impérialiste. Thank you.
Enfin, n'oublions pas ce degré zéro de l'image animée, le film Tract, qui évoque les trouvailles de Dziga-Vertov 60 ans plus tôt et qui connut son âge d'or et sa disparition autour de mai 68. À regarder avec le son de votre choix, tout en essayant de deviner le nom du réalisateur, ce qui n'est pas très difficile. Maintenant, c'est la télévision qui est le média absolument dominant dans la propagande. Pour Jacques Ellul, qui depuis plus de 30 ans en analyse les mythes et les méthodes, le cinéma de propagande, c'est déjà le passé. On plonge dans la télévision instantanément, ça ne demande rigoureusement aucun effort de la part du spectateur, et lire un journal, ça demande un effort. Regarder la télévision, non. C'est donc une espèce de proximité. D'autre part, la télévision a une séduction absolument incroyable. On voit la réalité. Et en plus, on a, dans bien des cas, l'immédiateté. Alors, ce qui n'avait jamais existé jusqu'ici, c'est-à-dire que le téléspectateur ne peut absolument pas avoir l'impression d'être propagandé, parce que autant dans le journal on pouvait se méfier, on en venait à se méfier de plus en plus de ce que le journaliste avait retravaillé, etc. La télévision, vous êtes au milieu du fait. Alors, il n'y a pas de discussion. Arrivé devant le Panthéon, le cortège s'arrête et François Mitterrand s'avance seul vers le temple où reposent les grands noms de la République. Par ce geste, le chef de l'État a voulu marquer son attachement aux deux grands principes politiques auxquels il entend rester fidèle, la lutte pour les libertés et la rigueur morale. C'est pourquoi François Mitterrand se recueillera successivement devant la tombe de Jean Moulin, le héros de la résistance mort sous la torture, devant celle de Victor Schœlcher qui abolit l'esclavage, et enfin devant celle de Jean Jaurès, le grand tribun socialiste assassiné. Sur chacune d'elles, il dépose une rose rouge. Alors, tout à fait typique, évidemment, la,
la mise en scène prodigieusement réussie de M. Mitterrand tout seul dans le Panthéon faisant la promenade au milieu des grands hommes, déposant sa rose rouge. Il était l'homme seul au milieu des grands hommes. Alors, quand on s'imagine l'appareillage énorme de télévision qui devait l'entourer de toutes parts, c'est absolument étonnant. Mais quand j'en ai parlé à de nombreux amis, aucun n'avait réalisé. Tous ont dit, vous avez vu, Mitterrand dans sa méditation, seul, etc. Donc, c'est cette espèce d'impression brusque que vous êtes dans le fait, qui donne la puissance de persuasion, en quelque sorte. Et en même temps, ça entraîne une sorte de déréalisation, puisque ce que vous voyez à la télévision, c'est le réel. Le réel a beaucoup moins de poids, beaucoup moins de sens que l'image. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Quand on devenait chrétien, ou quand on devenait communiste, ou quand on devenait hitlérien, même si pouvait se dire c'est l'effet d'une propagande, on devenait quelque chose de différent. Tandis que maintenant, on n'a absolument pas le sentiment de devenir différent parce qu'on regarde la télévision. Comparons le juif à un rat. Semblable au mammifère rongeur dont il partage la lâcheté et la cruauté sournoise, le juif porte en lui un irrésistible besoin de destruction. La puissance d'action du juif se manifeste dans la supériorité numérique de ses disciples. De même que la pullulation des rats porte atteinte à la salubrité des hommes. Et puisque nous parlons de salubrité, transportons-nous par opposition dans l'obscur et répugnant Capharnaüm qui sert de logis à cette famille juive. Un film comme Le Péril juif, ça vous paraît encore possible de faire ça aujourd'hui? Je crois que ça serait très mal reçu, en définitive. Je crois que ça serait très mal reçu parce que nous avons précisément évoluer dans le sens d'un respect de l'humain, des droits de l'homme, etc. Ce qui est très bien, mais qui ne nous engage à rien. Parce que c'est un respect de l'humain en général, ce qui ne nous empêchera pas d'être très hostile à telle ou telle personne qui nous est étrangère. There is a bear in the woods. For some people, the bear is easy to see. Others don't see it at all. Some people say the bear is tame. Others say it's vicious and dangerous. Since no one can really be sure who's right, isn't it smart to be as strong as the bear? If there is a bear. Mais est-ce qu'on peut penser qu'une propagande de type péril juif pourrait ressurgir en cas de crise très grave? Là, alors, je dirais, ça dépend du leader charismatique.
parce que une propagande de ce type ne réussit que s'il y a des gens qui peuvent canaliser les sentiments individuels en représentant vraiment le modèle même de ce que l'on veut être. La télévision permet une sorte de contrôle social qui est tel que l'existence d'un parti, si nous faisions allusion tout à l'heure à un leader charismatique, s'il apparaissait, il pourrait évidemment s'en servir. Mais c'est beaucoup moins important que cette espèce de contrôle social permanent. Je ne crois pas qu'une organisation soit fondamentale maintenant. Le regroupement n'est plus essentiel. Le regroupement, il est fait par l'appareil. Je suis extrêmement surpris lorsque on affirme constamment que l'homme moderne peut choisir, etc., alors qu'il ne sait plus utiliser les possibilités de liberté qu'il aurait encore. Donc, je crois qu'effectivement, nous baignons dans un climat qui fait que au fond, on acquiert une mentalité totalitaire. C'est exact. Ce qui tendrait à le confirmer dans notre époque, c'est de voir à quel point il y a un modèle de société et que le but de l'action dans le tiers-monde, c'est d'amener le tiers-monde à notre modèle de société. Je crois que quand on dit bon, il faut que le tiers-monde se développe, il faut faire décoller le tiers-monde, etc., c'est le faire décoller vers quoi? C'est le faire décoller vers la société de type occidental. Est-ce que le mot propagande est encore un mot approprié à ce rôle que peuvent jouer les mass médias et la télévision en particulier? Dans la mesure où il s'agit d'une certaine modification du téléspectateur, oui, c'est encore une propagande. Dans la mesure où ça n'a plus aucune commune mesure avec ce que l'on a appelé de cette façon au siècle dernier ou au début de ce siècle, non, ça n'est plus une propagande. C'est une sorte de d'infusion, c'est une sorte de bain culturel permanent. Et ce qui me paraît, moi, très saisissant et très profond dans cette propagande, c'est sa relation à la publicité. On distinguera de moins en moins ce qui est action, mettons, gouvernementale ou discours gouvernemental, et puis discours du publicitaire. Autrefois, c'était très clair. D'un côté, il y avait la politique, de l'autre, il y avait le commerce. Maintenant, c'est parfaitement imbriqué. Madame, monsieur, nous avons le plaisir de vous accueillir chez l'un des plus prestigieux groupes bancaires et financiers du monde, Paribas. C'est d'ici qu'ont démarré les premières autoroutes privées. C'est d'ici qu'a jailli le pétrole français en mer du Nord. C'est d'ici qu'est parti le métro de Caracas. C'est ici que chaque jour, depuis 115 ans, Paribas, groupe français et international, entreprend, innove et réussit. Madame, monsieur, vous aurez prochaine possibilité. Un rendez-vous avec l'information. Enfin, à voir aujourd'hui.